Bienvenue au Pal Expo. Après 4 années d'absence pour autant d'annulations, le Salon de Genève est de retour à Genève. C'était il n'y a pas si longtemps le plus prestigieux des salons, sauf qu'entre-temps, voilà, le Covid est passé par là. Cette édition du 100e anniversaire n'avait donc rien d'une évidence et pourrait même être celle de la dernière chance. Au nombre des annonces et des nouveautés, MG était sans conteste le principal animateur de ce salon. Il y dévoilait d'abord et surtout en première mondiale sa MG3, citadine polyvalente de segment B à propulsion full hybride. Il y a aussi cette MG7, berline mid-size à propulsion thermique essence, mais qui ne devrait pas être importée chez nous. Le pourrait en revanche la MG9, MG9, grande limousine à propulsion full électrique, et son pendant SUV, la MG S9. Autre attraction majeure de ce stand, la MG Cyberster. Il fut une époque où la spécialité de MG, c'était le Roadster. Et bien en voilà une qui sent bon la nostalgie, mais avec tous les ingrédients d'une sportive moderne. Mais la grande annonce de MG sur ce salon, c'est le lancement d'une nouvelle marque sœur, une marque haut de gamme, premium, un peu à la manière de ce que représente Lexus pour Toyota. Son nom, IM, pour Intelligent Mobility. L'autre attraction majeure de ce salon, c'est bien sûr la R5 électrique, un revival signé Renault. Baptisé E-Tech, le modèle embarque au choix une batterie de 40 ou 52 kWh pour des autonomies respectives de 300 ou 400 km WLTP avec un prix de base à moins de 25 000 euros. Sur le stand Dacia, c'est bien sûr le Duster de 3e génération qui retient l'attention, un modèle qui aura fort à faire puisque les deux précédentes générations se sont écoulées à plus de 2 millions d'unités. Il y a enfin le top du top avec ce Yangwang U8 façon Defender chinois, un modèle capable de flotter jusqu'à 45 minutes. Daar draait het tenslotte allemaal om op het Salon van Genève. Fantasieën en dromen.